Parlement pays Ouganda a adopté un gros projet de loi qui proposait une nouvelle peine sévère contre garçons ougandais avec femmes ougandaises qui entrent dans une relation sexuelle avec garçons pareils ou bien femmes avec femmes pareilles. Annette Anita Among, qui est leader parlement, parlait après le vote final là pour dire oui, il y a gagné. Il y a ajouté loi passée dans un temps record. Parlementaire a amendé un parti important dans le premier projet de loi. Pratiquement tout le monde a approuvé le projet de loi, ça, excepté un seul parlementaire qui était parlé contre lui. Homosexualité déjà illégale dans le pays conservateur qui est sur le continent africain. L'hypoco finit clair qui nouveau pénalité, qui n'a nouveau projet de loi ça. Député Fox Odoi Oyuelo, qui était parlé contre le projet de loi et qui est membre du mouvement résistance nationale, là, qui est donc parti président Yoweri Museveni, dit l'agence nouvelle AFP, d'après version finale législation, délinquant yo a fait face à prison à vie ou même peine de mort pour offense qui est plus grave. Le projet de loi par les jeunes président Museveni, qui a un choix pour servir avec Vétoli ou soit si un lit pour faire venir tourner une loi dans le pays. Législation a joué un gros support public dans Ouganda et messieurs, dames, dans la société civile, a été bébé parce que le gouvernement Museveni a vu plus autorité dans l'année qui passait. Mais l'idée qui a 78 ans a toujours montré qu'il n'a pas considéré le problème garçon macromé avec ma divine comme une priorité et qu'il a plutôt qu'un bon relation avec donateurs et investisseurs dans le pays occidental. Débat qui était fait sous projet de loi dans le Parlement, de Macron et parole piment bouc contre l'homosexualité. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington.